chat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mes chatons, on se retrouve pour un petit sujet sensible concernant ce dernier épisode d'Amour Sucré, puisque comme vous le savez, nous n'avons pas obtenu de tenue, il n'y a pas eu de tenue de proposition durant cet épisode. Et pourquoi? Parce que tout simplement, d'après ce que dit Amour Sucré, nous aurions pu obtenir une tenue entière de diplômée composée de trois items, donc je suppose que c'est la couronne. Le petit badge et normalement la cape, je crois. Donc les trois items, normalement, c'est ceux-là qu'on aurait pu obtenir via Tata dans le jeu. Sauf que Tata, on ne la croise quasiment jamais. Je ne sais pas pour vous, mais moi, Tata, c'est très très dur de la croiser. Hein, vous pouvez le voir durant mes lives. On ne la voit jamais. Je suis allée justement faire un petit tour sur le forum d'Amour Sucré, histoire de me renseigner un petit peu à ce sujet, parce que pour l'instant c'était un petit peu que des rumeurs. Et effectivement, ils nous disent, si tu souhaites posséder la panoplie complète du diplômé, tu pourras rejouer l'épisode et découvrir un nouveau cadeau de la part de ta marraine. Trois items sont à trouver. Donc j'ai l'impression qu'en fait, tu gagnes un item par épisode, donc tu peux pas avoir les trois items pendant l'épisode. Je trouve ça vraiment encore une fois dommage. Et assez dommage, assez dommage. Sachant que c'était vraiment un épisode de fin, on termine le lycée. Franchement, pour moi, le meilleur cadeau qu'aurait pu nous faire Amour Sucré, c'était limite de nous offrir la tenue. Donc, d'accord, il nous l'offre au via Tata, mais je suis désolée, Tata, on ne la croise jamais. Sincèrement, qui, est-ce que vous avez déjà croisé dans chaque épisode que vous avez joué Tata? Non, je suis désolée, il y a 40 épisodes, personnellement, j'ai dû la voir 10 fois Tata. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais vraiment aimé à la limite qu'on nous propose la tenue de fin justement au moment de la remise des diplômes, qu'on nous dise enfile ta tenue et qu'on sorte, qu'on ait notre tenue de diplômé, qu'on fait ça bon avec papa, maman, avec notre crush, ce que vous voulez. Mais franchement moi cette histoire de tenue ça m'a un petit peu gênée je dois vous dire parce que c'est vrai que bah, je joue quand même depuis des années à Amour Sucré, depuis son ouverture. Donc je suis un petit peu vraiment déçue par rapport à ça, sachant qu'en plus bon je me suis dit enfin, je vais essayer de vous montrer quand même où est Tata pour que chacun, s'ils veulent faire un replay, pouvoir essayer de la retrouver. Parce que personne ne sait au final comment la trouver. Est-ce que quelqu'un peut me dire dans les commentaires s'il a réussi à trouver Tata et où? Parce que sincèrement, je viens de faire deux replays, dont un avec Nathaniel, je m'en doutais que j'allais rater l'illustration. Et je l'ai refait aussi avec Castiel, voilà, donc j'ai testé les deux garçons. Un l'opposé et un qui m'intéressait, voilà. Franchement, je suis assez déçue parce que du coup, durant ces deux replays, j'ai vraiment passé du temps à chercher dans toutes les pièces, à tous les moments, par exemple, que ce soit avant la remise des diplômes, après la remise des diplômes, au moment où on va acheter le cadeau à papa, à bien avant. J'ai fait toutes les pièces, j'ai cherché partout, vraiment pour essayer de débloquer entre guillemets, Tata, pour qu'elle puisse au moins m'offrir un item. Franchement, sur deux replays, sur trois parties au final, parce que si on compte ma première partie, avoir au moins un item, eh ben, je n'ai rien eu. Je n'ai jamais croisé Tata, que ce soit dans le lycée, dans le parc, dehors, au centre commercial, où vous voulez. Je ne l'ai pas croisé et j'ai vraiment dépensé, sans vous le cacher, sachant qu'un épisode, cet épisode-là, il vaut entre guillemets entre 200 et 300 PA, j'en ai dépensé 1000 pour vous dire à quel point j'ai vraiment cherché partout pour essayer de débloquer Tata. Donc si la chance te sourit, tu pourras retrouver Tata. Ouais, bah la chance, elle est très fine, hein. Franchement, je suis assez déçue par rapport à ça. Et du coup, bah, c'est pas forcément pour faire un coup de gueule cette vidéo, mais c'est plus à la limite pour qu'on se partage des informations parce que j'en ai trouvé aucune. Y a limite, c'est en fait, ça a perturbé personne, c'est passé sous la trappe. C'est tout le monde était tellement content par rapport aux illustrations que personne en fait s'est posé la question, tiens, on n'a pas eu de tenue, ah bon, bah, c'est bizarre, sur la miniature, il y avait une tenue de diplômé, on l'a pas vue, on n'entend pas parler. Personne n'en parle et je trouve ça dommage. Donc franchement, moi je voulais faire cette vidéo au moins pour en parler, pour qu'on puisse en discuter dans les commentaires, que certaines nous disent justement si elles ont eu des objets ou si certaines ont des informations justement à ce sujet, parce que je trouve ça vraiment dommage qu'on puisse pas profiter d'une dernière tenue qui a été créée, qui je trouve quand même qui est plutôt sympathique pour la fin justement du lycée Amour Sucré, sachant que c'est pas la fin non plus de Amour Sucré. Mais voilà quoi, c'est un petit peu dommage. Bon bah écoutez, j'espère vraiment qu'on pourra tous réagir ensemble sur cette vidéo
et qu'on pourra élucider un petit peu ce mystère, parce que je vois aussi que Amour Sucré, hier, a posté sur sa page Facebook une image, justement, avec deux items, en disant: As-tu réussi à collecter les cadeaux de Tata? Donc je pense qu'ils sont en train, peut-être, Bimouf, de se poser la question: est-ce qu'il n'y a pas eu un bug au niveau du jeu avec Tata? Est-ce que Tata n'a pas bugué et n'a pas donné les cadeaux? Parce que sur une centaine de commentaires, j'ai dû voir deux personnes dire qu'elles ont eu les cadeaux, et je trouve ça juste hallucinant. Donc j'ai aussi hâte, parce que franchement, en plus, dans mes amis, j'ai regardé aussi. Vous le savez, j'ai pas mal de demandes d'amis, j'ai plus d'une vingtaine de pages, et je n'ai vu personne avoir la tenue du diplômé. Donc je suis assez curieuse, vraiment, d'attendre de voir vos réactions par rapport du coup à cette vidéo, de réagir en commentaire et de me dire si vous avez réussi à obtenir les items ou pas, parce que moi, voilà, j'ai fait deux replays, j'ai fait trois parties en tout, et je n'ai eu aucun item. Voilà. Bon, bah écoutez, mes chatons, je vais arrêter cette vidéo là, hein, donc voilà, donc j'attends qu'on réagisse tous ensemble à cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, mes chatons, et sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye!